De retour pour Quand Sunshine, écoutez, on va continuer à fouiller. Merde, attends, comment on quitte la carte? Vas-y. Non, c'est rond. Ah, comme ça. Ok. Bon. Il faut que je trouve des fleurs pour l'hôte. Alors, c'est des fleurs comme ça. Je sais pas combien j'en ai. Ah, voilà, un truc de vie. Je sais pas si. Je sais plus. J'ai peut-être fouillé un peu partout. Je m'en rappelle plus trop. Hills. On va se soigner ici. Ah, peut-être pas. Attendez une seconde, c'est. Ah, c'est le bracelet d'hôpital de Wendy. Ah, voilà, on l'a trouvé. Est-ce que fouiller dans les poches d'une infirmière est quelque chose de mauvais? Oh, j'ai rien trouvé. Oh, finalement, c'était bien mauvais. Ça sert à quoi? Je suis tellement désolé de ce qui t'est arrivé. Quoi? Bordel de merde, y'a rien du tout. Je n'ai pas besoin de chercher encore là-dedans. Ok, donc ici j'ai trouvé le bracelet de Wendy. Je rappelle qu'il faut trouver les bracelets et compagnie. Avec aussi les pages de journal. Il va falloir tout refouiller du coup. Est-ce que j'ai déjà fouillé ici? Oh, je crois que j'ai déjà fouillé. J'ai rien trouvé à part sa mallette. Son nom est Adam. Je suis désolé, Adam. Ah, je crois que j'ai déjà fouillé ici. Ah, c'est quoi? Il y a une pièce de papier. All work and no play make Isaac a dull boy. Donc, c'est une référence à Shining qui disait Travail sans loisir rend Jacques triste sire. Ça, c'est marrant. Ça semble comme un terrible livre. Oui, effectivement, puisqu'à la base, c'est un livre. De Stephen King, il semble. Ah, j'ai trouvé une clé avec un truc de neige dessus. La fois, je regarde ce que c'est. Ça mène vers où? Donc, ça doit ouvrir une des portes. Non, je suis pas allé, en fait, ici. Travail sans loisir rend Jacques triste sire. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Bon, en anglais, je sais pas. En fait, il le tape sur la machine à écrire. Tout le long du film. C'est ouvert mais il n'y a rien dedans. Ah, c'est quoi? C'est Robocop? Ta 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 ta. Les meilleurs films des années 80. Et ce poster forme. C'est un poster de Robert le flic. Ça semble hilarant. Oui, bah c'est bien sûr Robocop, c'est un robot donc qui est flic, quoi, comme dit le nom. Robot plus cop. Robocop. Ah, hey, y a du génie là-dedans. Avec le mec qui joue Leland Palmer dans Twin Peaks dedans. Vous savez, il joue dans Twin Peaks avec James. Just you, just you. And I, just you. Ah, je l'avais qui déraille. And I, together, forever. Nana. Ouh. Alors, une clé avec un snowflake. Je sais pas trop où ce serait. Just you. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un chien? Coucou le chien! Hey boy! Hey le chien! Pourquoi tu restes dehors tout seul? Il est un peu con ce chien. Qu'est-ce que tu as sur ton collier? Oh, calme-toi, buddy! Je pense qu'il faut lui filer un truc. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, il faut lui filer un truc au clébard. Ok. Continue. Là, y a rien. Par contre, je pense qu'il peut pas être d'ici. Il faut faire gaffe. Ah, j'ai déjà peut-être. Ah bah oui, j'y suis déjà allé ici. Bah c'est là où j'étais. Je suis con, moi. Bah oui. Ouais, donc il y a un chien ici. Il faudra lui filer un truc. Je ne sais pas trop. Un os à ronger. C'est Snoopy le chien. Ah, je vais me cacher là-dedans. Ah, bâtard! Putain, qu'est-ce que c'était que ça? C'était Tom Cruise caché dans le placard. LOL.
Merde. Il m'a fait peur ce con en plus. Ah, j'ai trouvé de la bouffe. Je suis blessé au fait. Ah. Non, ah bah non, non. Je suis full life. Bon, c'est un jeu, c'est un petit jeu bien sympa en tout cas. Je ne trouve rien là-dedans. Non, c'est poubelle. Merde, 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 merde. Con. Ah, bah tort. Ah, quel petit con. Coucou. Ah, il n'y a rien à voler, espèce de pute. Attends, je trouve un peu de mal à la clé. Miam. J'ai trouvé 4 pages de journal pour le moment. Hé hey mec, qu'est-ce qui se passe ici? Comment t'es en vie? Partout c'était un bain de sang. Je veux trouver l'un des moniteurs. Oh, j'aurais compris. As-tu entendu parler d'Isaac? Ouais, ça semble comme une page de journal. Donc il y a une page de journal. C'est daté et tout. C'est incroyable. C'est weird. C'est glauque. Enfin, c'est étrange. Est-ce que tu vas me le donner? Il me dit qu'il a perdu ses lunettes in the warehouse. Get them et tu auras la page. Ok. Excellente. Elle est au sud-est, au sud-ouest, sud-est. Ok, il m'a filé une clé. Ok, d'accord. Faut que je trouve ses lunettes. Oh, il n'y a rien dedans. Ok, au sud-est. Au sud-est. Ah, elles sont là-haut. Et puis, faut que je trouve la boîte à outils pour l'autre bebe là qui est cachée. Ok, on est là. Restroom, j'y suis déjà allé, il me semble. Putain, ça s'en va tellement rapidement là. La machine. Faut que je fasse gaffe. Ouais, je suis déjà allé ici. Ah, j'ai trouvé les batteries, cool. Breakfast Club. Ouais, j'y suis déjà allé, il me semble. Mais de toute façon, il faut que je refouille tout. Il n'y a rien ici. Pour retrouver les objets disparus. Bah écoutez, on va aller de toute façon chercher les lunettes, je pense. Hop. Ah, on l'a entendu. Cette espèce de cinglé là. Ah, une boîte, c'est peut-être ça la boîte à outils. Ah non, c'est une quai. J'ai trouvé des batteries. Ah, ça doit être un objet récupéré. Ah, je peux pas encore parce que j'ai pas trouvé la page du journal. En fait, c'est ça, il faut trouver toutes les pages de journal pour récupérer les trucs. Je pense que c'est ça. Restroom. Ouais, oh, restroom. Let's have some fun. Merde, il est pas loin l'autre con. Ah, je suis déjà allé ici. On a peut-être remarqué qu'il y a peut-être des trucs. Ok, non, il n'y a rien. Je récupère un peu d'énergie, comme ça je peux foncer. Ok. On va aller récupérer les lunettes qui se trouvent... Ouais, je peux les choper par là. Ok. Faut que je fasse gaffe, pas trop. Ah. Ah. J'en ai combien là de ces fleurs de merde? Il m'en faut 7, il m'a dit, il me semble. J'en ai 8. Parfait. Je vais lui filer à l'autre comme ça. On va descendre par là. Est-ce que j'ai gagné des clés au fait? Genre là, les clés Doug et compagnie, les clés du chien, etc.
Snowflakerin. Warhouse, un costume Snowka. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment un jeu d'exploration, sympathique. Parce qu'en fait, ça devait être fermé la dernière fois, je pense. Bah, maintenant, je peux y rentrer. Oula. I found a Constantian Teddy. Ouais, donc une peluche. Une peluche de... Oh merde, là ça va être un truc à faire avec ça. Non? Non? Oula! C'est un poil flippant ça. Je crois qu'il se cache là-dedans. Come here, kid. Ouais, c'était sûr. Je vais pas arriver, donc il faut aller là. Parce qu'en haut, en fait, il y avait un carton. Ah, ça va, je suis sauvé. Ok, bon, c'était pas compliqué là. Basketball, voir s'il y a des trucs qu'on pourrait voir. On va essayer de conserver quand même un petit peu de lumière. Que les batteries ne sont pas comme les diamants. Ils ne sont pas éternels. Mais je te prends. J'en ai 50 des fleurs comme ça. Je suis allé ici. C'est un petit cactus. Merde. Je me suis fait mal sur le cactus, quel con. Ah, c'est quoi ça? Didn't see me there, huh? Merde. Ah bah attends, il m'a quand même touché, putain, sérieux. C'est honteux. Oh, comment il a pu me toucher? Faut que je fasse gaffe, faut que je... Je surveille ma bouche, quoi. T'as grande la braque, là. Ok, donc on va refiler ses lunettes à l'autre singe. Ou alors, normalement il y a des trappes. La trappe là-haut. Ouais, la trappe là-haut. On va aller à la trappe là-haut. Là, bon, je me rappelle où c'est. Hop. On va aller refiler les fleurs à l'autre. L'autre gogole à Uri en haut. Normalement, ça me ramène en haut. Voilà, c'est ça. Ça se ramasse ça? Non. Ah, enfin, t'es venu! Je suis incroyable. Tu es encore vivant. Assure-toi, je sais me barricader. Allez, je te donne la poche du journal. Qu'est-ce qui branle? En fait, il me laisse entrer, c'est ça. Oh, il y a une main dans le micro-ondes. Dégueulasse. Ah, bah la bouffe pour chien, là-bas. Cool, je pourrais le filer au clébard. Merveilleux, un frigo vide. Désolé par rapport à ça, j'avais faim. Ouais, bah je vois ça. Elle est où la poche de journal? Voilà. Alors, regardons la future poche de journal. 2 juillet 1965. Chaque année que j'ai rejoint le collège pour enfants. J'ai compris. Jackie a juste récupéré un hamster. Et Isaac a un ami. Ah, Isaac a une amie. C'est une fille sympathique. Et se tiennent la main. Donc rien comme ça. Ah, voilà, oui. Je te remercie d'avoir amené l'hamster pour Isaac, Jackie. Aucun problème, monsieur Hillerman. Je vous remercie pour le travail. Tu es la bienvenue. Isaac adore son nouveau best friend, son nouvel ami. Donc on le voit le hamster en haut.
Je suis content. Merci, Jackie. Hey, Isaac! Papa a une réunion. Je dois te laisser. Ah, Shumana, c'est la... Oui, Shumana, c'est la... C'est celle qui s'occupe de la cuisine. Maintenant, je me rappelle. Je me disais, merde, c'est qui Shumana? Aucun problème, monsieur Jacob. Je vais surveiller Isaac. Merci, Shumana. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide. Ok. Ouais. C'était une super réunion, Jackie. Et merci de m'avoir aidé. Aucun problème, monsieur Hillerman. Tu peux m'appeler Jacob, s'il te plaît. Ok, Jacob, merci. Maintenant, nous devons... Nous avons besoin... pour voir le rapport des résidents, je crois que c'est ça. On peut se séparer pendant 10 minutes ? Le rapport des résidents. Peut-être qu'il y a des détails dedans qui pourraient m'aider. Aucun problème. Le castor, c'est Zombieverse. Vous avez déjà vu le film Zombieverse ? C'est un film avec des castors qui deviennent des zombies. Ça mord les humains et ça fait des humains zombies castors. Excellent film. Je le recommande à tous. Oh, regarde, Jackie est encore en train de jouer avec son hamster. Il a l'air vraiment heureux. Ok. Tant pis pour le petit hamster. Écoutez, vous aimez bien Hamtaro? Eh bien, regardez-le se faire bouffer par Jackie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Isaac? Non! Squeal! Pfff, dans la gueule! Squeal, 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 squeal! Oh mon dieu! Squeal, 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 squeal! Ok. Sympathique. Tu as une belle vie, hamster. Ah, j'ai plus de... Merde, j'ai plus de... Ça vous a plu? Ça vous a plu, mes amis vegans? Bah, c'est ça, la vie. C'est comme ça que les vegans voient les carnistes. Mais non, mais je m'en fous de ça. Salut. Ok, bon, bah, il mourra pas. Ça. Je suis un peu triste de pas le voir mourir, lui. Oh, attends. J'ai pas vu s'il y avait des trucs à droite. Ah. Une plante avec du sang. Alors, bah j'ai pris les lunettes. Je les ai, les lunettes. Faut que je les file à l'autre. Je suis en train de réfléchir. Si je vais là, je vais là. Ouais, puis il y a le truc du chien. Comme ça, je vais voir le machin du chien. Attends, il est où le clébard déjà? Il est là-haut. Ok. Mais il est en même temps que l'autre. Bah, c'est parfait. Comme ça, on pourra faire les deux d'un coup. Ah, mais la machine à outils, je crois qu'elle est. Elle est à gauche, je crois. There you are. Merde, il est pas loin ce con. Ah putain, il me touche pendant que je surveille, putain. Merde. Let's have some fun. Oh merde. Ah non, il m'a tué. Merde. Merde. Est-ce qu'il y a une sauvegarde automatique? Ah. Oh non, putain, j'ai pas sauvegardé. Oh non. Ah non, mais c'est ça, j'ai pas sauvegardé. Ah ouais, je reviens là. Bon, je vous reprends plus tard. Ok, j'ai donc repris. Donc j'ai été sauvé, enfin... Récupérer les trucs en haut, dining hall. Et là, je vais aller dans la chambre froide. Je sais plus si j'y avais déjà été. Il me semble que non. Merde, pardon, j'ai reçu un message. Ah si, j'ai dû y aller en fait. Ah, y'a un mec qui est pendu. C'est marrant. Il y a de la bouffe dégueulasse. Ah, c'est un puzzle. Ah bah voilà. Attends voir. Ah, il faut pousser les trucs pour passer. Ok. Ok. Ouais, non, il faut passer par le haut. Ouais. Je suis coincé, non. Oh là, ça va être long. Ça va être long et chiant. Alors, on y retourne. Attends.
t'envoie peut-être comme ça. Essayer de se dégager un passage. Vas-y, je fais ça. Ah non, merde. Oh putain, ça va être long. Je me suis coincé. Non? Ah non, je peux passer comme ça, attends. Comme ça. Comme ça. Ah merde, après je suis bloqué. Ah non, je peux passer comme ça. Non, je suis coincé. Écoutez, je vous reprends après, je vais essayer de faire le puzzle, puis bon, on verra après. Ok, j'ai réussi après 5 ou 6 essais, c'est pas très compliqué finalement. Bon, ça c'est une parodie d'un mauvais jeu Nintendo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une page de journal. Je vais regarder un peu ce qui se passe. 6 juillet 1971, donc 2 ans après. Une nouvelle année et un nouveau lot d'enfants arrive pour l'été. Ça veut dire que je dois parler à Isaac. Comment on va payer le jardin d'enfants? Je n'ai aucune idée. Peut-être devrais-je demander à Shumana. En fait, qui écrit? C'est la fille ou j'ai un peu de mal? Ah non, c'est le mec. Isaac, c'est le gosse. Bon bah Isaac, on est ici. Regardons tous les... je vais rencontrer tous tes enseignants. Suis-moi. Bonjour Jacob. Bonjour, je suis Jacob Hillerman avec Isaac, prêt pour notre premier jour. En fait, c'est le premier jour à la garderie. Voilà, Kinden machin. Ou la crèche? Non, il est trop vieux pour la crèche. Bonjour, bienvenue au Big... au gros ours... Enfin... C'est comme le Big Bear Camp, mais c'est le Big Bear d'écart. On est heureux que vous nous ayez rejoints. Et toi, tu dois être Isaac. Quel joli petit garçon. Putain, mais il est moche. Il y a un truc à l'œil, t'as vu? Vous avez vu? Oh, tu es plutôt... comment c'est, Shai? Timide et réservé, de type timide et réservé. Ne t'inquiète pas. Nous allons passer des grands moments ici. Allons-y et suivez-nous. Dis au revoir à ton papa. Sois un gentil garçon, Isaac. Daddy revient avec toi après la maison. Reviens pour te ramener à la maison après. 1975, oh bah 3 ans après. 3h du mat, Big Bear Lake. On vient juste de finir notre fantastique réunion de bienvenue. Merci à tous d'être venus. N'oubliez pas de visiter le lac à 5h de l'après-midi. Pour un bain de minuit. Enfin, un bain de soirée. Bien joué, Jack. Encore une très bonne réunion. Donc, Jack, ça a l'air d'être l'animateur mascotte, quoi. Donc, c'est le Big Jack. Merci de m'avoir laissé être la mascotte, monsieur Hillerman. Je vous en remercie. Aucun problème, Jack. Tu fais du bon travail. Les enfants sont contents de toi. Maintenant, si tu m'excuses, j'ai plusieurs heures devant moi à faire des choses. Parfait, un peu de temps pour moi-même. Le téléphone pleure pour la dernière fois quand je lui dis bonjour, c'est la résidence Hillerman. Les mots se perdent dans l'écouteur. Hello, monsieur Hillerman. Vous devez venir pour prendre Isaac. Il a brutalement attaqué un autre enfant. Il a fait quoi? Maniez-vous le cul. Ah ouais, quand même. Isaac, qu'est-ce que t'as fait? On a envoyé les autres enfants à la maison. Votre fils vient juste d'attaquer un enfant. Il l'a frappé avec un livre d'alphabet. Prenez-le avec vous. Oh mon dieu, il l'a frappé avec un livre d'alphabet. Ah non, un alphabet bloc, non, un cube, vous savez, des cubes avec des lettres en forme d'alphabet. Prenez-le avec vous ou sinon on appelle la police. Je suis tellement désolé. Comment avez-vous pu faire ça? C'est un monstre.
Ah bon, il a une sœur jumelle? Référence à Monster, pour ceux qui n'ont jamais vu le manga Monster. Regardez-le, lisez-le et regardez-le. C'est sur Canal+, c'était génial, Monster. À la maison, jeune enfant. Shumana, on a besoin de toi maintenant. J'arrive, monsieur Nerman. Je suis la vieille sorcière. Je prends la voix d'un héros de Nicky Larson, d'un méchant de Nicky Larson. J'ai besoin de vous pour surveiller Isaac. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Nerman? Isaac a brutalement attaqué un autre enfant. Je peux pas croire qu'il... ce qui arrive à mon précieux fils. Donc elle le prend dans ses bras. Est-ce que je ne peux rien faire? Non, bah, ça se finit comme ça. Ouais, son gosse, c'est un cinglé, c'est tout. Si, tu peux le mettre dans une... une résidence pour cingler, il serait bien. J'ai ma résidence secondaire. Bon, on va aller voir le chien et puis redonner ses lunettes à l'autre, blaireau là-haut. C'était ici? Ouais, il me semble que c'était ici, le trou est là. Ouais. Hop! Écoute, ton fils est un cinglé, ton fils est un cinglé. Ah merde, je suis sorti. Je vais quand même aller voir au petit truc de... petit truc de chien là à côté. C'est pas là? Ah merde, j'ai passé. Est-ce que j'y suis allé ici? Merci Dancing. Ah, j'ai trouvé une clé avec un chat dessus. Donc on va juste sauvegarder au cas où, histoire de pas se faire tuer comme un con. Ah, c'est pas ça là. Ah non, il y a un petit... non là. Un petit. Donc j'ai trouvé la clé avec un chat. La clé avec un chat. Un chat. Ah, là-haut à gauche. On ira voir après, comme ça. Je ferais mieux de le laisser en vie. Le laisser seul, pardon. Ah, c'est le camp de bienvenue dans le genre. Par contre, je crois que j'ai pas fait été au truc d'arcade, juste en haut, là-haut. Là, par contre, on fait un putain de détour, wesh. Ouais, y a peut-être des trucs remarqués. Comme le tueur. Ah non, c'est vraiment un grand truc en vide. Alors ça, c'est le truc d'arcade, c'est ça? Ah non, c'est au-dessus encore l'arcade. Merde. Merde. Putain, bâtard. C'est juste en dessous. Ça, j'ai vu... je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir ici, déjà. C'est le truc d'arcade un peu en haut que j'ai pas été voir. Même ici, je sais pas si j'y suis allé. Ah non, je suis pas allé, il y a Flines. Ok, alors ça c'est étrange. Hey! Tu ne sais pas qu'il y a un tueur ours un peu autour? Ah, oh, mort-moi à qui? Non, Beat It, c'est. Comment ça s'appelle? Lâche-moi, je crois. Ou une connerie comme ça. Personne ne peut me mettre en dehors de mon travail. Ton travail? Je suis là pour délivrer le nouveau jeu de lapin. Il craint. Oh super, je peux y jouer? Bien sûr tu peux, kid. Mais il est rempli de bugs and runs. Et en fait c'est de la merde. A quarter, nice. Ah en fait oui, il me fallait un quarter. Donc c'est une pièce de monnaie, j'en ai une. No, beat me. En fait oui, on peut y jouer. Ah regardez, énorme. C'est Street Fighter. Mortal Kombat! Bloody Kombat is broken. Gals? Je sais pas ce que c'est Gals. Galix.
SKN. It's just broken anyway. Mario. Donkey Kong. Plutôt Donkey Kong. You wish it guaranteed. Alors, votre vœu est garanti. Ok, donc on va jouer à leur jeu de lapin là. Bunny. Crazy Bunny Extreme Rescue Super Championship Edition. Ça va être un genre de Pac-Man. Putain, super. Ça, c'est du jeu. Il va falloir que je bouffe toutes les carottes. Oh là là. Ouais, bah je vous reprends après, hein. Ok, j'ai fini, c'était long et chiant. I beat it, what do I win? J'ai gagné un jouet. Ok. Génial, c'est bien ça que j'ai gagné. Snackman plush, ouais, c'est ça que j'ai gagné. Ok. Carcotte, c'est fait. C'est quoi ça? Un arbre, ok. Ok, on va aller rendre ses lunettes à l'Outabruti. Et voilà mon gars, une paire de lunettes. Oh merveilleux, tu l'as trouvé. Tiens, prends cette poche de journal. Alors laisse-moi trouver la poche de journal pour toi. Je l'ai trouvé. Il y avait aussi une boisson. Et je vais la lire pour toi. Oh, cette boisson sent bizarrement. Oh, ok. Je suis tombé sur un pédophile. En fait, c'est écrit à l'envers. Tu as des mensonges sans eux. You. Non, c'est hello. The answer que tu cherches. Ment sans. Je sais pas ce qu'il dit. Hein, quoi? Restore me. Restore-moi. Locate. Il faut localiser. Help me. Il me dit de l'aider. Ah, c'est trop bizarre. Il me dit de l'aider en fait. C'est écrit à l'envers. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hé, où es-tu passé? Ah. Ah. Écoutez, on peut dire qu'il a perdu la tête. LOL. Même si tu m'as donné un truc un peu bizarre, tu ne méritais pas ça. Bon allez, on va lire la poche de journal. Voilà, j'ai eu peur 5 minutes, allez hop. Il vaut mieux que je sorte pour le lire, peut-être que l'ours est dans le coin. Alors regardons un peu ce qu'il y a poche de journal. On était en 75 je crois à peu près. C'est bien ça. Ah 73, bah c'est avant le camp. Après il y a un nouveau cook. Un nouveau une nouvelle cuisinière, la voici. Allez dépêche-toi Patchy, c'est l'être de chien. On doit se dépêcher parce que les campeurs reviennent bientôt de la natation. Ne fais pas trop de bruit. Sinon, monsieur Hillerman, donc. Merde, c'est pas Isaac qui s'appelle. Je sais déjà plus comment il s'appelle. Peut être vraiment grognon. Laisse-moi juste laisser cette chose cuire. Enfin, boiling, c'est. Bouillir. Et si tu as un bon chien, un bon garçon, je t'en laisserai une partie. Je dois aussi nettoyer les tables. Attends ici, garçon. Bon garçon. Ah, c'est ça, c'est la nouvelle cuistot. Patty, je peux t'entendre, tu es un bon garçon.
Parfait, tout est clean. Je suis sûr qu'il est mort, le chien. Je dois me dépêcher, sinon les campeurs vont venir et il n'y aura plus rien à bouffer. Ah non, il est encore vivant. Je sais pas si ça se dit patchies, mais je pense que ça se dit patchies. Patchies. Oh, regarde ça, patchies. Tu sembles affamé. Comme tu es mon garçon, je vais t'enfiler. Je suis sûr qu'il va mourir. Une grosse portion pour mon garçon. Oh, tu as l'air d'être affamé. Ouais, il est mort, c'est sûr. Oh mon dieu, patchies, patchies. Donc la cuisinière arrive dans mon bureau et je découvre ce qui s'est passé. Je suis désolé, Hélène. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La bouffe a été empoisonnée. Mais par qui? Patchies est mort. Qui a pu faire ça? Je vais appeler la police. Excusez-moi. La police arrive rapidement et commence les recherches. Ils ont trouvé une boîte ou une botte contenant du poison. Et ils ont fait des tests. Ça ne peut pas être la vérité. Non, ça ne peut pas être vrai. Désolé, monsieur Lerman, mais on a pris les empreintes de tout le monde sur le camp. Et le seul qui marche, c'est Isaac. Il a tout fait. Oui, moi c'est Jacob et l'autre c'est Isaac. Isaac est sous la... pas la car, mais la... Non, sa surveillance. De Shumana all day, tous les jours. Je lui ai parlé de bien le surveiller. Vous avez de la chance que seul le chien meure. Trois autres campeurs ont été empoisonnés aussi. Entre vous et moi, vous êtes vraiment la chance que le chien soit au camp ce jour. On peut attribuer ça sur une erreur de jugement. Et on ne fait rien d'autre. Merci Tom, j'apprécie. Maintenant je dois trouver Shumana. Donc en fait il ferme les yeux, c'est un peu ça. Et je n'ai jamais revu Shumana. J'ai pas trouvé Shumana dans le camp. J'ai donc appelé l'agence pour les supplier, en les suppliant de prendre soin d'Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucun antécédent de Shumana dans vos bouquins? Nous sommes désolés, monsieur Lerman. He has been attending. On était en attente en fait. Mais ça ne peut pas être le cas. Vous avez engagé Shumana. Et maintenant elle a quitté le camp. Et je n'arrive pas à la trouver. Je vous suggère d'appeler Judy. Et peut-être qu'elle pourra vous aider. D'accord, merci pour votre temps. Bonjour, c'est Judy? Oui, bonjour. Judy, c'est Jacob Lerman du Big Bear Lake. Je voudrais vous parler. Oh, hello, monsieur Lerman. Vous êtes vraiment différent au téléphone. On n'a jamais parlé avant. Should have been working. Qu'est-ce que fait le petit Joshua? Joshua, son nom est Isaac. C'est vraiment perturbant, monsieur Lerman. Je vous vois demain, comme d'habitude. Bête. C'est vraiment beaucoup. Isaac? Tu n'as pas vu Shumana? Je sais pas comprendre. Je comprends pas qui est Judy en fait. Elle est ici sous sa vraie forme. Isaac, que c'est que ce bordel? Isaac tient une effigie. Ou une petite poupée quoi. Dégueulasse. Shumana est avec nous, papa. Arrête ça! Je l'ai quitté sans aucun choix. La seule chose que je pouvais faire, c'était... En fait, il a mis dans une pièce isolée Isaac pour protéger les autres campeurs. Ce journal est la seule place où je peux confesser mes crimes. Wendy, donc c'est sa femme morte. Je suis vraiment désolé. J'ai échoué à devenir un père. J'ai échoué à la promesse que je t'ai faite, je suis vraiment désolé. Peut-être que quelqu'un va reprendre le journal après, en fait. D'accord. Ok, bon, le chien. Le chien est juste au-dessus.
Ah là, il me laisse passer maintenant. Enfin. Comme ça, je peux voir ce qu'il avait. J'ai trouvé une page de journal, donc il avait une page de journal. 30 juin 1976, donc 3 ans après ce qui s'est passé. Mon nom est Isaac Lerman. Ah bah c'est le fils maintenant qui parle. Ah oui, il a vieilli. Ok Isaac, papa doit aller au travail maintenant. Je suis désolé, mais tu dois retourner dans la base. Enfin, tu dois rester ici. Je pense qu'en fait, il lui a créé une base. Enfin, un endroit où il peut se retirer. Et la vie, il perd, vache. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça? J'ai fait l'école à domicile pendant de nombreuses années par mon père et... Et contrairement à mon apparence, je ne suis pas un monstre. Et ce journal est le seul endroit où je peux me mettre sans, sans attirer les esprits, enfin... Vous avez compris l'idée. Mon père m'a bloqué dans le... Enfin, m'a mis à l'écart dans cette base. C'est pour mon propre bien. Autant que celui des campeurs. Isaac, je suis désolé. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Je t'aime. Je ferai... Tu sais que je ne ferai rien pour... contre toi. Je ne te laisserai rien arriver, en fait. J'ai gardé une photo de ma mère, Wendy. Elle me permet de garder le focus dans les ténèbres. La photo de Wendy semble importante. Peut-être y a-t-il d'autres indices. Est-ce qu'il regarde ce qui m'est arrivé à moi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je peux voir mon père avec la fenêtre jouant avec les autres campeurs. Ce qui fait mal à mon cœur. Je crois que c'est ça. Qui fait mon cœur pleurer. Il ne veut pas de toi. Il n'a jamais voulu de toi. Il le veut. Regarde comment il est heureux dehors en train de jouer avec les autres. Yes, il t'a mis ici pour t'oublier. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Tu sais que c'est la vérité, Isaac. Soumets-toi à toi-même et je peux te montrer. On a l'air d'avoir une double personnalité ou un truc un peu... Isaac, papa est de retour. Et je pensais... Le coin est entre de bonnes mains avec les internes. Allez, quittons cet endroit. Laisse-moi ouvrir la porte. Donc nous sommes... nous sommes... Fled, je sais pas ce que c'est. Nous avons volé. Fly, fly, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bordel! Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac! Isaac! Isaac, est-ce que tu es ici? Qu'est-ce qui s'est passé à nous? Qu'est-ce qui nous est arrivé? D'accord. Ok, donc on va aller... On va aller au truc du chat, là-haut. Je vais monter, on va se barrer. On va essayer d'aller voir le truc du chat. Oh! Ça pirate. Énorme. Il gueule parce qu'il y en a volé, bien sûr. On va prendre. Ah merde, il y a un truc, là. On va prendre le trou là-haut. Attends, on est où là? Ouais. Alors, il y a quoi ici? Je sais plus ce qu'il y a. Il y a rien. On va peut-être sauvegarder.
Ouais, c'était quoi qu'il y avait ici? Je regarde si j'ai pas loupé des trucs en fait. Visiblement non. Faudrait que je note sur un calepin ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Où il faut que j'aille ou qu'il ne faut pas que j'aille. Pardon. Ok, donc on est ici. Ouais, y'a quoi ici? Parce qu'il y avait le riche ici, non? Oh, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? C'était quoi ça? Peut-être Isaac? Non? Peut-être. Je sais pas, c'était bizarre. C'était très étrange même. On va juste aller voir le truc un petit peu à gauche là. Ah, basketball! Basketball, it's my favorite sport. J'ai été dans les trucs d'en bas là? Je suis pas sûr. Faut que je regarde. Merde, je vais me faire avoir. Ok, pardon, je vais juste me mettre une batterie, parce que là, merde. Tu vois, je me trompe dans les trucs. Vachement à l'écart la machine. Hop. Cette fouille est dégueulasse. Il n'y a rien en fait ici, merde. On peut se barrer à gauche. Non, on peut pas. On va remonter, écoutez. Ah, je peux passer par là ou pas? Ah, je peux pas, merde. Bon. Oh, t'es vachement lent quand même quand on peut pas speeder. Je peux passer par là. Alors, la maison avec le chat. Ici. Voilà. Donc, j'ai la clé et pour le chat. Ça va être un gros truc. Oh, c'est quoi ça? C'est fermé. C'est vide, pardon. It's empty. Oh merde. Ce pauvre homme n'a plus ses yeux et sa mou... Oh. Et on lui a enlevé ce truc. There you are. Merde, 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 merde. Oh, there you are. Donc j'ai trouvé le bouquin du Big Berko. On fonce. Il nous chope pas. Ouais, donc en fait, ils lui ont coupé la bouche et les yeux. Je crois qu'il n'y a plus d'yeux aussi. C'est ça? Big Bear History Book. Donc, c'est l'un des objets à trouver, bien sûr. Ok, les batteries. Allez, avec ça? Ah merde. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. Hein. On va pas se plaindre.